Hey, salut tout le monde, c'est Raphaël de la Défi Industrie et aujourd'hui on attaque le défi numéro 4. Donc il est actuellement 6h40 du matin, donc je suis un peu épuisé, vous voyez, je suis pas coiffé, je suis rien. Et donc ce matin, enfin hier soir, la production en fait de Show le matin donc sur la chaîne D17 m'a appelé et je vais participer en fait au vrai ou faux de Show le matin. Donc ça va commencer dans 20 minutes et je suis super excité depuis hier soir. Donc ce qui va se passer, c'est que là, la production va bientôt me rappeler pour commencer à passer à l'antenne très bientôt. Donc je vais faire le Kevin, donc après je sais pas ce que je vais pouvoir gagner. Mais j'ai peur qu'il raccroche, mais bon, on verra comment ça va se passer. Donc voilà, donc je vais faire le petit kikoulol, on va dire. Je vais parler avec une petite voix de gamin. Donc vous allez voir, ça va être super. Donc moi je vais aller me préparer, je vais aller m'habiller, etc. Et faut que je me dépêche. Et donc je vous souhaite vraiment une super vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Et c'est parti, allez. Allô? Ouais, Raphaël. Salut, c'est Laura pour Show le matin, ça va? Ouais, super. Ouais, ça va, je te réveille pas? Non, je suis prêt, c'est bon. Ok, bon, bah c'est à toi dans pas très longtemps. Dans genre 5 minutes, tu passes. Ok. Donc ouais, c'est pour voir que t'es bien réveillé. Je le plante direct. Bah, arrêtez. Il faudrait un gars. Direct au cerfeuil. C'est ça la vie. Il faudrait un gars à côté qui est tout. Tout, 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 tout. C'est ça la vie. Ce serait trop cool. Ouais. Bon, alors, on va jouer au vrai faux. Voilà, on va jouer au vrai faux. Et pour ça, on accueille Raphaël. Il a 18 ans. Salut Raphaël. Non, Kevin. Oh, trop mignon. Allô? J'y crois pas beaucoup. Allô? C'est Raphaël? Allô? Oui. Kevin. Jean-Kevin. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix? C'est une très bonne vanne. C'est qui? C'est qui? Allô? C'est Kevin. Oui, allô? Oui. Ouais. J'ai l'impression. Tu fais ça pour pas qu'on te reconnaisse? J'ai l'impression qu'on se moque de nous. Ouais. Non. Non. Si. C'est Raphaël? Oui, enfin, c'est Kevin. C'est Kevin, mais c'est quoi cette petite voix? C'est quoi cette petite voix de lapin? Mais c'est moi. C'est le sketch de. Mais c'est tataillé? Excuse-moi, tu es tataillé? C'est Cartman quand il fait, il est trop monté, pas? Voilà, c'est ça. T'es sûr que t'es venu pour jouer? Ok. Oui. Ah, oui. Quel âge tu as, mon grand? On va jouer. J'ai 11 ans et demi, pourquoi? Ah, oui, allez, donc, vraiment. Mais alors, on nous avait dit 18 ans. Alors, on a un problème d'information, c'est pas grave, les enfants. Kevin. Tu sais quoi? Kevin, que tu te moques de nous ou pas, on t'aime quand même, ouais. Parce que nous ne sommes qu'amour, donc on va jouer avec toi. T'as une très jolie voix, en tout cas, Kevin, vraiment pleine de testostérone. C'est le genre de voix qui nous, personnellement, nous plaît, nous touche, nous... Moi, c'est la journée de la gentillesse. Bah oui, c'est la journée de la gentillesse, exactement. C'est vrai. C'est vraiment tataillé. Oui, c'est tataillé, je te jure. On dirait vraiment la marionnette. Comment ça va, mon tataillé? Oui, ta main. Tataillé, c'est avec le ventriloque. Oui, c'est ça. Kevin, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas alors, qui se cache derrière cette petite voix, mais en tout cas, on va te faire jouer au vrai-faux, et sache que tu vas pouvoir gagner un cadeau dans le vrai-faux. Voilà, tataillé, tu vas pouvoir aller au concert de La Fouine, qui a lieu demain au Zénith. La quoi? La Fouine, c'est un rappeur, tu verras, il est super sympa. La Fouine, La Fouine. Oui, La Fouine, exactement. Ils vont bien s'occuper de toi, la famille. Ne leur fais pas cette voix-là, Kevin. Hein. Alors, Kevin, si tu peux juste... Alors, vraiment, concentre-toi sur le vrai-faux, hein, parce qu'il y a un vrai enjeu. Mais... D'accord. On est d'accord que c'est une séquence chelou. C'est oui, c'est très, très chelou. D'accord. Ouais, c'est très chelou. On y va, alors, attention, on est parti pour le vrai-faux. Attention, chronomètre d'une minute que je demande. S'il vous plaît, c'est parti, top. Le bœuf et le mâle de la vache, vrai ou faux? Faux, bien sûr, bah, c'est le taureau, un point pour Kevin. La probabilité de mourir en tombant du lit. Et... Non, c'était vrai. La fille de Kim Kardashian... Faux, bonne réponse. Un coup de pied dans les testicules provoque la même douleur qu'une grossesse de 160... Non, c'était vrai. On va pas aller à la fin des questions. La voix de Mickey Mouse et la voix de Minnie Mouse sont mariées dans la vraie vie. Vrai ou faux? Non, c'était vrai. Chuck Norris peut encercler tous ses ennemis tout seul. Vrai ou faux? Faux, bonne réponse. Le Yorkshire de Nathalie Portman s'appelle Khalifa. Faux, il s'appelle Wiz. Bonne réponse, on est à 4. Le vin rouge empêche de devenir sourd. Vrai ou faux? Faux, non, c'était vrai. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers enfants nés ont tendance à avoir un QI plus élevé. Frères et sœurs, vrai ou faux? Non. Faux, non, c'était vrai. C'était vrai. Difficile. Les femmes aux poitrines volumineuses... Pourquoi tu me regardes? Faux, bonne réponse. Le 5 à la suite. Non, mais j'en donne un en plus parce que j'ai plus de questions derrière. Alors, attends. Maman, je t'aime. On va se statuer. Donc, Kevin. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je suis désolée. Je suis désolée, Kevin. C'est perturbant. Mais... C'est un peu perturbant. Oui. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière cette voix ou est-ce qu'on a juste affaire à une personne qu'on doit localiser? Kevin. Comment c'est Kevin?
C'est Kevin. Ok, alors tu sais quoi, Kevin? C'est bien, en tout cas, il tient le personnage jusqu'au ouais, bout. Tu et l'as, ça, t'as bien tenu cool. ton perso ouais. et c'est plutôt pas mal. Et en plus, il a répondu faux pendant tout le QCM. Ouais. Et ça a marché. Et il s'en sort super bien. Comme quoi, sur les probabilités. Faux. Merci. Ouais. Il est bien chelou, c'est Kevin, cool. on te souhaite ouais. une bonne journée, puis tu repars quand même avec tes deux places pour le concert de la. En tout cas, je peux passer ma dédicace? Bien sûr, vas-y, ah oui, vas-y, Kevin. Alors, je fais une dédicace à tous les copains Minecraft, donc Sinister, donc toute ma famille. Alors. Alexis, Nicolas, Ryan, aussi. Et en tout cas, gros big up à la chaîne YouTube des Filles Industries et à mon petit frère Samuel. Alors, René Latope, on n'a rien compris. Super. Bon, allez, on plus rien. Kevin, ouais. on t'embrasse, d'accord. bonne journée. Salut. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. Et vraiment, on embrasse notre standardiste qui nous a fait ce cadeau. Vraiment, merci. C'était vraiment le petit scud du matin qui va bien. Super, les gars. Et donc, bien sûr, voilà. évidemment, vous en doutez, cette personne sera arrêtée dans les plus brefs délais. Ouais. Bien évidemment. On voilà. va monter, là. Et dans quelques instants, il va y avoir la web culture, ça va faire du bien, ça va bien se passer. Ça a bien fait flipper. Ce sera détente, ouais. Parce que moi, je pensais que c'était genre quelqu'un qui allait dire « Allô, non, en fait, c'est Elise Moon, non. comment ça va ?» Ou un truc comme ça. Non. C'était très bizarre. Il n'y avait pas de chute à son sketch. Voilà. Ah, tu l'imagines avec le masque d'enfant. Et en fait, c'est l'adulte, c'est la pub là, pour les trucs sur les arbres. C'était un peu bizarre. Ça se trouve, c'était une poupée qui parle. Non, une poupée qui est revenue à la vie. Je ne veux plus y penser. Je ne veux plus y penser. Bon, voilà, tout de suite, Eminem. On adore ça. Oui, ça bienvenue sur bien. Des 17. Restez avec nous, il peut se passer n'importe quoi ce matin. Je vais tout oublier. Alors, tu peux t'abonner à la chaîne des Filles Industries ou tu peux cliquer sur le point d'interrogation pour voir une de nos dernières vidéos au hasard ou tu peux aussi proposer ton défi dans les commentaires.